Alors, souvent, on parle de cicatrisation de la plante. D'ailleurs, on nous vend des produits de cicatrisation. Ça vous dit, hein, quelque chose qui pourrait stimuler la cicatrisation. Mais en fait, une plante, ça ne cicatrise pas. C'est ce que je suis en train de vous exprimer. Une plante ne cicatrise pas. La cicatrisation, ce serait la fabrication en lieu et place des cellules endommagées de ces mêmes cellules. Donc, ça voudrait dire, quand je coupe du bois, ce serait une régénération. Les plantes ne fonctionnent pas comme ça, elles. Les plantes, elles recouvrent. Quand vous faites une plaie qui va rester ad vitam aeternam dans la plante. C'est-à-dire que nos vignes qui ont 80-90 ans, ce sont des plantes qui contiennent 90 fois 2 ou 3 plaies. Et c'est obligatoire, on ne peut pas faire autrement, puisqu'on est tout le temps dans une plante qui s'allonge. Là, on le devine assez sur cette diapo-là. Là. On voit presque même les cernes de recouvrement. Si je vous dessine la manière dont ça s'est comporté à cet endroit-là, je vais vous le dessiner comme ça. On a une plante, on avait un bois un peu important, peut-être de 2 ans ou de 3 ans, et on a fait une coupe ici. Cette coupe-là se retrouve là, circulaire, avec la couronne qui a été respectée probablement ici, d'accord ? Donc là, on est à l'air, on a du bois à l'air, ce bois-là était ancré à cet endroit-là, ok ? Il est né en même temps sur le sarment de 1 an d'il y a 2 ou 3 ans. On a eu développement de ce sarment-là, avec des vaisseaux qui font le tour ici, qui correspondent à la couronne, et des vaisseaux qui sont ici, qui correspondent au sarment, et qui descendent même à l'intérieur, ok ? On a connexion entre des vaisseaux verticaux et des vaisseaux horizontaux à cet endroit-là. On fait cette coupe, on respecte la couronne. La plante ne va pas refabriquer de l'écorce sur la plaie. Elle ne cicatrise pas. Elle va grossir en diamètre et année après année, en grossissant un diamètre, un an, elle va monter par-dessus, remonter par-dessus, progressivement, et finir par sans doute recouvrir la plaie. C'est ce qui est en train de se passer et l'image que l'on a en second là-bas, c'est la vue de cette partie-là avec juste le bois, la petite partie du bois que l'on a à l'intérieur. Et on le voit parce qu'on voit même la forme des cernes annuelles sur ce recouvrement. Sur la partie de gauche, on voit cette espèce de vague-là qui a commencé à recouvrir nos deux plaies-là. On a une espèce de recouvrement de ces plaies-là. C'est vachement intéressant de recouvrir parce qu'en fait, ça va permettre à la plante, une fois que tout est recouvert, d'avoir une circulation de sève qui peut se faire ici. Imaginez que là, la sève, elle est obligée en montant de faire le tour et en descendant, la sève élaborée est aussi obligée de faire le tour de la plaie. Ici, on imagine qu'il y a une plaie là, une plaie là, une plaie là, une plaie là. Bon, ben là, il faut se dire que la sève, pour circuler, est obligée de faire le tour à chaque fois, le tour de chaque plaie. Et pour redescendre et aller réalimenter en sève élaborée le système racinaire, elle est obligée de prendre aussi tous ces ronds-points, elle est ralentie forcément. Ici, on a une plaie probablement trop grosse et qui a été une plaie très rase, qui ne sera jamais recouverte. Ici, on a juste un sarment qui est en train de se faire recouvrir, et puis juste à côté, on voit un espèce de langue d'écorce qui a été supprimée comme ça. Ça, c'est probablement un pampre qui a été arraché trop tard, qui était ligneux, et que quand on l'a arraché, on a arraché une languette d'écorce avec. Ça a pu vous arriver. Et quand on arrache une languette d'écorce, on voit bien qu'il n'y a pas de cicatrisation qui s'opère, puisque le cambium présent à cet endroit-là sèche. Si on avait réussi à maintenir l'humidité du cambium, il aurait refabriqué de l'écorce. C'est-à-dire que si on fait une blessure de ce genre-là, c'est-à-dire que même si on avait une blessure décavaillonneuse, si on arrivait à maintenir l'humidité suffisamment longtemps, le cambium serait capable de reformer de l'écorce. Mais il faut qu'il reste humide. Et c'est ça qui est compliqué. La plupart du temps, ça sèche, le cambium se déshydrate et il se retrouve mort à cet endroit-là. Et on voit ici que ce n'est que par recouvrement que petit à petit, peut-être un jour, cette plaie-là sera refermée. Ici, bah, faut imaginer que ce qui est dommage, c'est que le recouvrement va mettre super longtemps à aller recouvrir le chicot. Là, j'attire là votre attention là-dessus, sur le fait que tous les chicots morts, il faut absolument les raser jusqu'à être à ras du vivant pour permettre
à la partie vivante de finir par recouvrir ces sycomores. Ça, c'est absolument indispensable. Sur cette diapo là, c'est aussi une taille à côte et j'observe moi un vieux bois mort avec un jeune flux de sève qui pousse par-dessus le vieux bois mort. Quand je dis ça, si je regarde tout ce qui est à l'intérieur de mon trait là, c'est mort. Et ce qui est vivant, c'est uniquement cette partie-là qui passe par derrière et qui va alimenter ce courson. Vous voyez? Vous comprenez? En fait, on a eu une plaie ici. On a supprimé ce courson-là ou alors il est mort. Il y a eu un problème avec ce courson-là et probablement un autre ici aussi. Donc, d'un cordon avec plusieurs porteurs, on se retrouve avec seulement un seul spot de fructification ici, et c'est bien le problème que l'on a sur ces tailles courtes là, c'est qu'au bout d'un moment on a un fenêtrage et on se retrouve avec des plantes qui sont pas continues, on perd la fructification directement quoi. Cette coupe là, en fait on s'aperçoit que dans ce qui est à l'intérieur du rouge, j'aurais pu aussi dessiner en rouge à l'intérieur ici qui est aussi mort, probablement jusque là. Et on se retrouve finalement avec un jeune flux de sève en vert qui pousse sur un ancien bras mort. Et donc, on n'a plus rien de ce qui poussait à l'époque. Dessiné ici, ça donne un peu ça. C'est-à-dire qu'on se retrouve très régulièrement, beaucoup plus souvent qu'on ne le pense, avec des jeunes flux de sève qui poussent sur un vieux bois mort. On se retrouve donc là avec des jeunes pieds de vigne qui poussent sur un vieux bois mort. La chance qu'on a, c'est quand même qu'on conserve la connexion entre le système racinaire et le sol. Mais il ne faut pas penser qu'on conserve tout le système racinaire. Notre manière de tailler limite la capacité du système racinaire à aller chercher en profondeur. Parce que systématiquement, tous les ans, on supprime les apex, on supprime la fabrication d'auxine qui est l'hormone responsable de la propagation et du développement des systèmes racinaires. Donc tous les ans, c'est comme si on repartait à zéro, ce qui fait que on se retrouve avec un pied de vigne, et c'est le cas de tous les pieds de vigne, qui non seulement a du mal à développer de manière continue son système racinaire, mais en plus de ça, qui a été issu d'une bouture, et donc avec un système racinaire qui part en étoile d'un seul endroit. Donc on n'a pas des conditions hyper favorables sur le développement des plantes. Si on essayait de comprendre un petit peu quelles sont les causes qui peuvent fabriquer du bois mort dans la plante. On a l'étêtage par recépage, c'est un peu celui qu'on a vu, on le voit souvent, hein, recépage ou redescente ou élimination d'un bras. Là, ça fait mourir énormément de bois à l'intérieur de la plante. Vous imaginez que là, celui qui est ici, là, si on regarde à l'intérieur, il est forcément mort complètement à l'intérieur. Et si on faisait une coupe ici, on se retrouverait avec un gros bois mort et un jeune flux de sève très fin, avec tout ça qui est mort à l'intérieur. Ce flux de sève, il est très fin, puisqu'il est obligatoirement très fin, puisqu'il n'y a que ce petit sarment qui alimente ce flux de sève et qui utilise ce flux de sève. Donc ce flux de sève, il est forcément aussi fin que ce sarment, ou presque. Faut pas imaginer que le peu de feuilles qu'il va y avoir sur un seul sarment comme ça puisse alimenter et faire fonctionner autant de cellules vivantes et de cambium, quoi. Sur le bas, on s'aperçoit que ici, toutes les plaies de taille ont été extrêmement groupées et que l'on a tout le temps, scrupuleusement, ou presque tout le temps, taillé la baguette sur le dessus. Et donc, on a malgré tout une circulation de sève qui est continue du bas, bon là de ce côté là ça ne l'est pas mais tant pis, du bas jusque ici. Le fait de tailler en guyot a tendance à générer ce genre de comportement dans la vigne. Bon, elle est assez peu poussante, c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de vivants ici, mais ces amas de bois morts là, c'est assez régulier et la taille guyot a tendance à fabriquer ce genre d'amas de bois morts.
En bas à gauche, on a ces plaies de taille rase là. Alors les plaies de taille rase, c'est quand on monte le pied, souvent on a tendance à vouloir faire en sorte que la plante ne soit pas capable de pamper sur la tige. Et donc ce que l'on va faire, c'est que une plante que l'on aura formée avec quatre sarments comme ça, si on a le fil ici, on va avoir tendance à utiliser ces deux sarments là. Vous êtes d'accord? Et donc comme ici à chaque fois on a le bourrelet, voilà, vous allez raser ici pour faire en sorte que la plante ne soit pas capable de rejeter à cet endroit là. Et en fait ces rasages là, ils vont générer à l'intérieur de la plante en fait le bourrelet appartient à l'axe principal, et quand vous allez raser, vous allez faire rentrer de l'air ici et ici, vous allez avoir une pourriture qui va se faire de cette manière-là, et la même de l'autre côté, puisque vous avez rasé. Et donc vous allez avoir une connexion de ces deux pourritures ici, là. Et ça se traduit par ce que l'on voit ici, c'est-à-dire que si je coupe ici, je vais m'apercevoir que j'ai un côté dynamique, l'endroit où il y avait le bourgeon, il est mort puisque j'ai rasé, de l'autre côté j'avais rasé aussi, donc j'ai de la mortalité, et je n'ai qu'un développement du cambium dans les deux parties qui étaient à 90 degrés des bourgeons. Donc tout ça, ça meurt et ça meurt. Ça génère une croissance généralement un peu plate sur les sarments. Vous pouvez avoir des jeunes vignes qui ont tendance à être un peu plates, et là vous pouvez être sûr que si vous avez cette croissance plate là, c'est lié à des plaies de taille rase que vous avez réalisées en taille de formation.